nouvel ustensile assez amusant. Voilà, peut-être pas indispensable, mais en tout cas, si vous voulez faire une jolie décoration avec vos légumes, ben c'est l'appareil qu'il vous faut. Des carottes, des courgettes, du radis noir, par exemple, ou du concombre, pour les faire en ruban ou en spaghetti. Ça vous permet également de cuire vos légumes nettement plus vite, évidemment, puisqu'ils sont coupés finement. Donc, c'est tout simple. On met le morceau de courgette, de radis noir, de carotte au milieu de la lame. Vous avez trois lames, voilà, qui vous permet ou de faire des spaghettis comme ça, ou faire des rubans, on va voir tout à l'heure. Donc, vous mettez la lame. On insère bien au milieu le légume. Voilà, et ça sort tout seul de ce côté-là. C'est assez rapide. Alors, la petite astuce, moi, que je vous donne, en règle générale, quand vous râpez, ou quand vous coupez vos légumes avec une râpe, c'est que je prends un peu d'huile, comme ça, et je graisse ma lame, ce qui permet aux légumes de mieux glisser et de mieux couper. Donc, on enlève, on va faire quoi? On va faire un petit radis noir. Alors, tous mes légumes sont bio, en règle générale, donc j'ai pas besoin de les éplucher. Je les lave, je garde toute la peau qui est remplie de vitamines. C'est très bon avec la betterave crue en lamelles. Voilà, on va essayer l'autre, pendant qu'on y est. Donc là, c'est le simple, ça va nous faire des tagliatelles, je pense. Essayons. Alors, il faut que les légumes soient assez gros quand même, assez épais. Hein. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà, et donc là, ah bah, c'est des rubans. Voilà, ça nous fait les rubans. Ça, c'est des rubans de courgettes. Et alors, ce que je fais avec aussi, c'est que je prends mes légumes et je les fais sauter très rapidement dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes, évidemment. Vous pouvez rajouter aussi un peu d'ail. Et je les mets avec des spaghettis. Et c'est super bon. Qu'est-ce que ça donne? C'est chouette. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À très vite.